pied gauche et la parade de Mickaël Salamone. La première en cette partie, par un peu grand classe, face à Poupette, la deuxième meilleure buteur du championnat. Quand un numéro 2 de la rencontre, Aurélien Tertero au premier poteau, c'est tiré, excellent. Le premier de la gauche. Stade Léger, Hidalgo, qui pourtant n'avait rien à se mettre sous la dent, 22ème minute à 0. Et Poupenza sur le pied gauche, regarde, il est sous le monde, Darren Poupenza. Juste avant, il s'est enfermé sur son pied gauche, cette fois-ci c'est le bon angle. Pas le temps de se remettre de ce but que dans la foulée, 30 secondes plus tard, Poupenza se tire. Pourquoi? C'est un grand espoir avec Raichi. La vie sur Poupenza, pied gauche, Poupenza, c'est super bien joué. Il y a peut-être le petit Rivas, finalement, Rivas tout seul, Rivas tout seul. Incroyable comment le point FC nous renverse déjà une situation. Oh mes chers amis, 2 minutes. Ni plus ni moins 2 minutes. Jonathan Rivas qui va inscrire là son 6ème but de la saison. Cette saison, parce que il y a du potentiel technique, il y a du potentiel athlétique, il y a du potentiel tactique. Attention Silla à distance. Oh le poteau de Mohamed Silla. C'est quoi ce match de fou en l'espace de 5 minutes? Il ne se passe rien dans les 20 premières. Rejoint Saïd Didaza en tête du classement des meilleurs buteurs avec 12 réalisations. J'aurais même pas le compte finir, il y a déjà une action. Tapa Diaye. Avec Simon Dia dans la surface de réparation, Dia pour revenir sur le pied gauche. Simon Dia. Quel penalty pour Ibrahim Koné. Très très bien joué de la part de Simon Dia. Avec cette complémentarité aussi avec Rivas. Comme toujours, il a du monde dans la surface. Surtout qu'on le voit depuis le début que c'est tiré au premier poteau et que les déviations sont présentes. Ouais, justement, on s'est coupé de la tête là au second poteau. Je dis pas que c'est le bon. Mais c'est mon analyse. Tous les points de vue sont bons tant qu'ils sont défendus. On va dire ça comme ça aussi. Simon Dia dans la surface de réparation. Simon Dia toujours la balle en retrait, voilà. C'est simple, c'est très simple sur cette action. C'est ce qu'on attendait. C'est ce qu'on voyait des Palois. Renversement encore dans cette partie. Comme un match aller, 2 buts partout. Cette fois dans cette attaque de Sanois. Dans la surface de réparation. Cette fois-ci, Poupenza ne fera pas craquer l'entente 1 minute après un but.